Madame, Monsieur, bonsoir. Superbe dernière étape pour le centenaire du Tour de France qui consacre la victoire de l'Américain Lance Armstrong. On a même pu le voir, une coupe de champagne à la main sur son vélo, savourer à la française ses derniers kilomètres. Il remporte ainsi pour la 5e fois consécutive le maillot jaune. Un exploit qui lui se rend des plus grands champions. Ils sont 4 avant lui à avoir gagné 5 fois le Tour, Antil, Merckx, Hinault et Indurain. Une 20e étape qui a aussi réservé une jolie surprise. Le sprint a été gagné par un Français, Jean-Patrick Nazon, qui a volé la vedette aux favoris sur les Champs-Élysées. Florent Gautreau. Sur les Champs-Élysées, Armstrong est comme chez lui. Il monte sur la plus haute marche du podium pour la 5e fois. Il entre dans la légende du Tour. Il devient l'égal d'Antil, Merckx, Hinault et Indurain. C'est un rêve, vraiment un rêve. Et maintenant, c'est difficile pour penser. Cheers. Difficile de penser, de réfléchir, plus facile de savourer sur cette dernière étape qui prend des allures de gentil défilé. Bonjour à tout le monde. Pour Virang, qui rapporte son 6e maillot à poids à Paris, pour Armstrong et pour tous ceux qui ont réussi à terminer, ça sent les vacances. Mais dès que les monuments parisiens apparaissent, les coureurs accélèrent, prestige oblige. L'arrivée sur les champs, c'est mythique, pas question de se cacher. En jeu, la victoire d'étape bien sûr, mais aussi le maillot vert que se disputent les deux Australiens, Cook et McEwen. Cook, en gris, prend des points précieux au sprint intermédiaire, mais l'explication définitive va avoir lieu sur la ligne d'arrivée. Et la surprise, les deux Australiens, trop occupés par leur lutte fratricide, se font doubler par le Français Jean-Patrick Nazon, premier Français vainqueur sur les champs depuis Eddy Seigneur en 94. J'essaie de bien me placer et puis prendre la roue à McEwen ou Cook. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis je crois que le destin est avec moi. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de ma vie, je crois. C'est finalement Cook ici à gauche qui reprend le maillot vert à McEwen. Cook en vert, Armstrong en jaune et Nazon en pleurs. Le Tour a 100 ans, les années passent, l'émotion reste.